Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de Subnautica, chers amis. Donc, nous retournons au Cyclope avec de quoi faire un fabricateur qui nous permettra de façon de continuer à améliorer le Cyclope en vue d'en faire une base complète. Une base, en tout cas, plutôt que complète, je vais plutôt employer pratique. Qui sera aussi déplaçable vers les différents lieux, ce qui nous permettra d'améliorer le let's play un petit peu en gagnant du temps, énormément de temps. Tout simplement par le fait que je pourrai avoir tout ce que je veux dans un véhicule. Ce qui impliquera aussi qu'il faudra que je le transporte. Mais pour l'instant, ce n'est pas une si mauvaise chose. On va aussi créer quelques piles pour les transformer en haute capacité. Ensuite, on verra ce qu'on peut en faire. Le voilà. Il est beau, le lavabo, il est laid, le bidet. Hop, on y va. Crac. Ok, bon. Voilà, je remonte en énergie. Et ici, j'en remets deux. Voilà, tout bêtement. De toute façon, j'ai déjà des piles sur moi. Et j'ai le circuit intégré, parfait. Donc, j'aurai besoin d'un fabricateur, chers amis. Ça, c'est clair. Et je pense qu'il aura sa place juste ici. À côté de nous. Voilà. Et peut-être que je mettrai aussi une radio. Ah ben non, je pourrais pas la mettre là. Ah merde, c'est con, j'aurais peut-être dû laisser la place ici alors. Bon, en tout cas, on a un fabricateur ici, donc ça, c'est cool. Et apparemment... Je peux même fabriquer des choses que je ne peux pas fabriquer ailleurs. Ok, cool. Cool, cool, cool. Lingot de plastacier et cristal d'oxyde d'aluminium. Alors, cristal d'oxyde d'aluminium. Me dis pas ce que c'est. Ok. Ah oui, c'est vrai. Hop, un instant, chers amis. Voilà. J'essaie de trouver les différents trucs, mais je trouve pas. Ok. Aluminium oxyde cristal, d'accord. Ah, apparemment, c'est juste que je les trouve pas, hein. C'est tout. Et ça ressemble à une espèce de diamant. Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, maintenant c'est retour, chers amis, à la base. Et après, on se déplace ailleurs. Avant. Regardez ce que je vais aller faire. C'est très important parce que c'est quelque chose qu'on aurait dû faire depuis très 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 longtemps. C'est récupérer les ressources qu'on a ici. Clairement, elles sont nombreuses. Pas forcément valuables, mais nombreuses. Je vais pouvoir me servir de tout ça pour faire des choses. Déjà, j'ai une bouteille d'eau en plus là. Si je veux. Ok, non. Voilà, laisse-moi passer s'il te plaît, merci. Voilà, vas-y, ouvre-toi, sésame. Merci, crac. Crac. Ok, je peux ranger ça. Donc, exemple. Je vais pas les faire là. Tiens, je vais faire ça dans la soute. Ça me semble bien plus intéressant. Ici par exemple.
Ça a l'air d'être fait pour en plus, donc c'est rigolo. Crac. Je vais en faire combien des comme ça? Ok. Ah! Mais quel con! Bah c'est pas si grand que ça finalement. Bah du coup je vais démonter, hein, écoute. Désolé. J'avais pas vu moi. Ah, y'en a que d'un côté. Ok, pourquoi pas. Bah écoute, je vais te remplir, hein, mon cher petit. Crac. Je ressors, je vais re-remplir avec ce que j'ai laissé dans le truc. Et ainsi de suite. Et on sera prêt, chers amis. On sera prêt, on aura vidé ce pod. On pourrait presque. Non, je vais pas démonter les choses qui sont dedans parce que. Ce serait dommage. Non. Crac. Je sais pas si je. Oh, ça serait épique. Ce serait juste épique. Attendez. Ça serait génial. Voilà. Imaginons. Est-ce que je peux avoir. Alors, je sais pas en fait si je peux faire ça. Bac de culture d'intérieur. Il est grand. Il est grand. Étagère pour plantes. Je sais pas si ça peut passer ça en fait. Non, parce que la plante elle est déjà dedans. Pot de fleurs, voilà. Imaginons que je mette un pot de fleurs ici. Voilà, je peux y placer quelque chose, par exemple, parce que je peux y placer ça. Est-ce que ça pousse? Ouais, ça le fait pas pousser, ça le fait juste... ça l'empêche de pourrir. Bon. Je l'ai dépourrissé, en fait, pour le coup. On reviendra dessus plus tard. Si je peux m'en servir comme comme outil de base, enfin comme principe de, vous savez, de pouvoir repousser des choses, ce serait génial. Ok, il y en a une qui va être complètement chargée. L'autre qui charge pas des masses, bizarrement, qui reste à 27%. Il y en aurait-il une qui serait buggée? 28, non c'est bon. Étrange. Ok. Ok, donc c'est cool tout ça, bon. On progresse. Peut-être ici, malgré tout, en termes d'intérieur. Je sais pas, moi. Je peux pas? Ah, oh, cette vexation. Je vais le mettre au milieu. Oh, je suis vexé. Hop. Voilà. Le superbe lit sous le moteur. Bon, il est pas méga droit, mais... Ça suffira. Ok. Vu que j'ai masse titane, j'aimerais en profiter un petit peu. Je peux pas mettre ça. D'accord, non, ça veut pas. Ok, pourquoi pas. Donc, qu'est-ce que je pourrais rajouter en termes de cosmétiques? Un cadre photo, ouais, non. Non. Bon, bah pour l'instant, c'est pas trop mal. Je me rends pas compte, je me suis pas rendu compte que j'avais ma chambre juste ici en fait. Bref. On verra bien, c'est pas grave. Allez, on ferme la porte. Crac, c'est bon. Ok, direction. Oui, direction la base. C'est parti. Hop. En tout cas, voici une aventure qui progresse. Plutôt bien, je trouve. Je touche.
Et je bloque. Donc je ne peux pas passer par là. Peut-être en bourrant un peu. Je vais passer à gauche peut-être. J'ai l'impression de casser mon jouet. Merde, il y a des saloperies de... Le problème c'est que je sais pas quelle santé il a véritablement le... Rien qui marque la santé. Rien qui marque la santé quelque part. Non? Il est immortel? Oh bah si il est immortel, moi je dis pas non hein. Je suis immortel! Bon bah je sais pas. S'il l'est, dites-le moi. Je vois rien dans l'interface en fait qui me l'affiche. Donc bon. J'imagine que c'est juste pour essayer de le bloquer quelque part en fait, surtout. De bourrer un peu trop fort et de se retrouver bloqué. Bêtement. On verra. On verra! Mais je pense que je peux faire pousser au moins des patates dans un pot. C'était cette discussion qui est juste géniale à avoir. C'est, est-ce que vous croyez que je peux pousser des patates dans un pot? Moi je pense que oui, ça me permettrait de survivre dans ce... Tu tiens pas la barre correctement, je suis désolé d'avoir à te le dire. Ce n'est pas bien. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel autour de ma base? Oh, je vois les objets à l'intérieur. C'est particulier. Et quand je sors, je les vois aussi ou... Non, je les vois plus, d'accord, ok. Ok, pourquoi pas. Merci! Pas aller refaire le plein d'ailleurs. Faut que j'y pense à ça aussi. Ah, t'es pas encore complètement poussé? Ah si, pourtant. Ok. J'en mange une pour la fin, hein. c'est pas gravissime. De toute façon, on risque d'en avoir plein si ça fonctionne. Welcome aboard, Captain. Well, t'as une voix un peu agressive quand même, hein, je veux pas dire, mais... Oh, ce serait bien en train de marcher. Ce serait bien en train de marcher, chers amis. Ah bah dis donc, si c'est le cas, c'est vraiment génial. Oui, regardez. Non? Je suis le seul à voir le machin au milieu tout petit en jaune, là? Avec les deux petits points jaunes au-dessus? Ah non, c'est bon, ça marche. Ça marche. Génial. Eh bah écoutez, ça c'est la fête, chers amis. On est plutôt bon, là. Donc, on a ça qui marche. Au niveau de l'énergie... C'est pas ça que je cherche, ok cool. 100. Ouh, d'accord. Ouh, ok. 100, 12, 100. Tiens, éclate-toi. Ok. Et voilà. On réussit. On réussit une autre coup, chers amis, ça c'est cool. Ok. Question. Tout à l'heure, ça voulait pas. Et là, ce que ça veut dans cette pièce-là? Non, ça ne veut pas. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qui pourrait être utile et pratique? Hmm.
Pas ça. Ok, bon, de toute façon, c'est pas excessivement important pour le moment. Donc, on peut retourner là. J'aimerais ranger mes affaires là-dedans. Ok, on est bon. On est très très bon. C'est un let's play qui avance, chers amis. C'est un let's play qui avance. Donc maintenant, nous pouvons partir vers l'ouest, l'est. Voilà. À 500 mètres de la base. L'avantage, c'est que je sais exactement à quelle distance de la base je suis. C'est le seul désavantage. Façon, je pense que si je garde un œil sur les profondeurs, je devrais pouvoir m'en sortir. Montagne droit devant. On a 300 mètres. Ok. Bien, je suis en train d'essayer de le faire straffer, mais en fait il straffe pas. Je suis con. Serait-ce ceci? Les... mètres, on est censé y être. Hein. Bon, en tout cas, pas très très loin. Ah, ce serait bien ça. On y va. Crac. On va voir. Non, c'est pas ça. Aïe. Attends, je suis à bonne distance. Je suis à la bonne distance. Je crois, hein, j'ai bien dit 450 mètres tout à l'heure, merde. Oh, je l'ai encore paumé. Si, si. On est d'accord, là, la truc, elle est vers l'ouest. Donc ça devrait être dans le coin. C'était pas là-dedans. Bon, ça peut être intéressant aussi à fouiller. Mais merde! On est d'accord, je l'ai vu tout à l'heure! Ce trou immense! Je l'ai pas rêvé. Ah, attendez. Non, je suis reparti trop loin là. Je sens que c'est pas là-dedans. Hein. Oui, je le sens bien, hein, je suis pas con. Hein, c'est certain que c'est pas là. Mais non, c'est pas là, Marcus. C'est pas là. Alors, qu'est-ce que j'ai chié dans mon déplacement pour ne pas retrouver l'endroit? Putain, c'est là. Non? Oui, hein? Non? Je pouvais pas être plus précis. 450 mètres plein est. Et là, je suis arrivé à 200 mètres de la base. Même pas. Je pouvais pas faire plus précis comme... Parce
C'est de partir un peu plus à droite. 450 mètres. C'est bien ça que j'ai dit, hein. Je me suis pas planté entre deux. C'est pas un coup du... C'est 400 mètres, Marcus, et 750 mètres. Putain, si c'est ça, attendez. Je me rapproche. Et là, il y a un gros trou. Qui te fait bien espérer. C'était plutôt dans une zone comme ça, en fait. Ouais, j'ai la dalle, quoi. C'est bien ça. Oh merde, je vais pas la retrouver. Je l'avais et je l'ai perdu. Fais chier. Ok. Ok. Suivant, suivant. C'est moi qui te l'ai piqué. Les garifiches. Putain, je crois que je suis juste au-dessus en fait là. Mètres. Putain, je suis juste au-dessus. Nom de Dieu. C'est vrai que c'est pas si... si visible. Je vais laisser le CMOS ici. Je vais retourner au truc pour pouvoir me rassasier et me faire un petit peu de flotte au passage aussi. Je pense que ce serait peut-être pas une si mauvaise idée. Hop. Merde, j'ai encore paumé le... Ah, là. Voilà. Bon, on y est. On y est, je crois qu'on est au bon endroit. Et on a absolument tout ce qu'on veut pour fouiller. Ok, je vais peut-être aller chercher juste un tout petit peu de corail plat, de corail ordinaire, pardon, crac. Ok. Nous disions donc, il me faut d'abord de la javel, ça c'est important, et ensuite, un petit peu d'eau. Crac. Ça, c'est bon. Voilà, je suis full charge ici. Et en attendant que le reste pousse, on peut se faire un petit peu de poisson. Ça me semble ce qu'il y a de plus indiqué. Crac, voilà. Donc ça c'est bon. Là, vous voyez, donc ça marche. Ça c'est génial. Et là on va se diriger vers le CMOS qui est 200 mètres plus loin. Je ne comprends pas parce que... Je pensais pas pouvoir me planter à ce point en termes de distance. Incroyable. Absolument incroyable. Ok. Bon. C'est presque un coup à fabriquer une balise. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Constructeur d'habitat, poche d'air, fil d'Ariane, balise, 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 c'est où ça? Ça va être là, ouais. Drôle de bruit. Recycle l'humidité du corps. Okay. Ok. Balise, elle est où? Putain, je trouve plus la balise. Ah, c'est peut-être dans les déployables. Balise, fil de cuivre et titane. Le cuivre, je devrais en avoir à chier par là. Je prends un titane. Je vais pas avoir de cuivre. Non, non, tu récupères ça. Tant pis, pour l'instant, on va peut-être en trouver en bas. En haut, plutôt. Enfin, en bas, oui, je me comprends. Bref. Ah oui, c'est vrai.
J'avais complètement zappé ce coup-là. Voilà. Bonjour. On y va. Oula, c'est pas moi qui fais tourner comme... C'était pas bouché avant. Mais c'est nul. Elle est bouchée. Mais avant c'était pas bouché. Ah. Je suis sûr que c'est ici. Je suis sûr et certain que c'est ici. Il y a du Grey ici. Il y a du Christian Grey ici. M'en fous, je vais fouiller jusqu'à ce que je trouve ce que je veux, hein. On a rien à foutre, moi. Cuivre, ça y est. T'attends. Ah. Et donc tu comptes t'ouvrir à un moment ou pas? Ou c'est juste histoire de... J'aurais juré que c'était là, chers amis. J'aurais absolument juré que c'était là. J'ai quand même mettre pchipchit dans l'eau. Histoire qu'on comprenne. Hop, crac. Je vais quand même mettre une truc, une balise. Je vais mettre pipchi dans l'eau. Mais j'espère que c'est pas dû au fait que j'ai supprimé le cache. Il manquerait plus que ça. Il manquerait plus que ça. J'ai un doute. Allez, on va la mettre. Ce sera fait. Balise. 4. Crac. Le pire c'est qu'on voit, regardez, on voit à travers. Donc c'est forcément ici. Je peux te rename ou pas? Voilà. Trou qui fait... Tu veux bien t'ouvrir? Non? Putain. Je jurerais que c'est là-dedans. Je jurerais que c'est là-dedans. Sonotica Wiki, pourquoi pas? World, 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 world. Ah! Biome? Je sais pas. Peut-être. Cave biomes, voilà, c'est peut-être là-dedans. Ok. Et où est-ce qu'elle est? Est-ce que je peux avoir des coordonnées, s'il vous plaît?
maintenant? Je peux pas avoir de coordonnées? Merde. Merde, merde, merde. Ça m'intrigue, parce que ça doit être là, et je sais pas pourquoi c'est fermé. Ça doit être ça, mais ça devrait pas être... Ah merde. Hop, ça devrait pas être fermé. Moins 725, 100, moins 105, 0. Je sais même pas comment on voit les coordonnées, de toute façon. Dupliquer. Comment je suis censé les voir? Coordonnées. Alors ça devait être F8 je crois, non? C'est pas ça, non? Je sais pas, je balance sur tous les boutons, hein. Voilà, moins 705, caméra world position, bah je suis pas là, c'est bon, voilà. Voilà tout simplement, donc c'est pas le bon endroit, hein. Pouah. Donc je vais pas réutiliser le truc pour trouver, hein, chers amis, ne vous inquiétez pas. Ça explose plus? Putain, ça explose plus! Ah! Attendez, parce que si ça explose plus... Nope. J'ai rien dit. J'y ai cru, mais j'ai rien dit. J'ai cru que ça n'explosait plus, mais en fait ça fait... ça explose toujours. C'est juste que je pense que le son nous a dit non, le jeu nous a dit non, tu l'entendras plus, comme ça va être tranquille. Hop. Voilà, bouffe. Ok. Bon, bon, on retourne vers la base, hein. Bien finir par trouver. Non, 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 plein est. Plein est, plein est, plein est. On avait vu des choses dans le coin. De l'argent, ouais, c'était pas hyper méga intéressant. Ok. On va continuer à fouiller finalement. Mais ça m'emmerde, vous m'avez dit que je devais y aller parce qu'il y avait un truc abandonné dedans. Chose que j'ai vu même d'ailleurs là tout de suite. Mais je trouve pas le trou. C'est énervant. Pourtant je sais qu'il est pas loin de la base finalement. Il est pas loin de la zone de départ. Je l'ai croisé rapidement, hein. Alors je sais pas, est-ce que je dois utiliser ça ou pas? C'est combien qu'ils m'ont dit? Moins 705, 105. Moins 725, moins 105, 0. Moins 725. Bon, on peut chercher encore, hein. On peut aller voir. Hein. Ça me dérange pas. Là, je réduis. Moins 705, apparemment c'est par là. Ce qui voudrait dire que c'est du côté de la base, hein. Donc ça m'étonne. On va aller voir, hein. Ça me dérange pas d'utiliser ça pour le moment. C'est juste histoire de voir si c'est là où on pense, quoi. C'est véritablement, hein. C'est... Parce que moi j'ai un gros doute là pour le coup, hein. On va bientôt atteindre les moins 105.
Ça me semble pas être par là pour autant, hein. Ça ressemble pas du tout à là où j'étais, quoi, habituellement. C'est ça que je veux dire, moi. Alors, moins 725, moins 105. On est à moins 600. Baisser, hein. Donc apparemment c'est par là. On est à moins 700 quelque chose. Ce serait peut-être ce trou là. On va voir, hein. Ça dérange pas de regarder. Mais on est quand même à 800 mètres. Là il n'y a pas de trou. Voilà, donc ça c'est les coordonnées du site. J'ai du mal à m'imaginer ici. Soyons honnêtes. En début de partie, j'ai du mal à m'imaginer là. Donc je sais pas du tout où aller. C'est la fête, c'est la fête. Ah ah! Je ne sais pas du tout où je suis censé aller. Moins 360, moins 110, 225. Moins 150, 70, ça semblerait peut-être celle qui est la plus intéressante. Moins 360, 110, 225. Moins 150, moins 230, pardon. On peut essayer d'avoir ça aussi. Oula, non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop, on peut essayer d'aller voir ça. Mais rentre pas dedans, gros tas. On a dit combien? Moins 150, moins 70. Moins 230. 230, on est un peu plus. Non, c'est pas dans le bon sens. Le problème c'est qu'il est un peu lent à tourner, hein, faut être honnête aussi. Hein. C'est combien le dernier chiffre? Moins 230. On est bon. J'arrive à retrouver le moins 150. Moins 230, pardon. Ah là, ça me ressemble un peu plus à l'endroit où j'aurais dit oui, voilà. Voilà, moins 150, moins 70, moins 230. 230, on est bon. On va pas tarder à y être. Et le moins 150, ça veut dire que c'est juste en face. Ça devrait être là, en fait. Presque. On devrait y être maintenant. Ça devrait être dans le coin. On va aller voir, hein. Tant pis, on va bouger notre cul. Ça, je t'enlève parce que je sais pas si t'es véritablement utile. J'ai l'impression que tu me paumes plus qu'autre chose. Ok, bonjour. Il paraît qu'il y a eu l'entrée d'un gros trou dans le coin. Mais je ne vois que des petits trous. Alors j'ai juste vu, regardez ici. Juste eu l'impression qu'on pouvait passer en dessous. Ah. Ah. Ah ah. Et c'est bouché. Non, c'est pas bouché ça. Oh. On y est? Putain, ça y est. Eh ben on leur a mis du temps, hein, nom de Dieu. Sa maman la vilaine, hein, comme on dit. Plus que je retrouve la sortie après quoi. Ok. D'accord. Mmh.
Magnétite, ok. Chaud, ok. Et donc, vous m'avez dit que là-dedans, normalement, il y a un truc abandonné qu'il faut que je retrouve. Une base abandonnée. Oh, j'aime pas. Aïe, aïe. Qu'est-ce qui vient de m'arriver? Je ne sais pas. Je l'ignore complètement. Alors, apparemment, là-dedans, il y a une base. Oui. Tiens, ça me rappelle vaguement quelque chose. Qui aurait eu l'idée de foutre une putain de base là-dedans? Qui est le con qui a voulu mettre une base là-dedans? Oh là là, oh des pipeurs. J'aurais peut-être dû essayer d'y aller. Non, il ne serait pas rentré dans le trou. Et voilà, je me suis perdu. Je me suis perdu. Je l'ai dans le cul. Je peux plus ressortir. Je l'avais dit que je me perdrais. Je suis niqué. Non, c'est là la sortie. Oh putain, c'est là la sortie. Oh non de Dieu. Ah bah. Datapad. Ça c'est quoi ça? Ah, j'ai perdu mon 4. Réacteur nucléaire, je prends. Ça peut être intéressant. M'en faut 3. 2. Et chambre d'immersion, le Moonpool, putain! Ah bah. Ah bah, il m'en fallait qu'une. Ah non, il m'en faut 2. Wouhou! Bah, on a finalement trouvé le Moonpool, chers amis. J'ai été poussé par quelque chose! Oxygène? Oxygène. Alors, il n'y a pas de vitre là, hein, Simone. Si? Il y avait une vitre? Il y avait une vitre. Merde. Ah là, il y a un trou, non? Non plus. Ah, merde. Donc, il y a une fuite quelque part, c'est certain. Ou. On n'en sait rien. Ok, viens trouver la fuite. Si toi aussi tu es plombier polonais, viens trouver la fuite. Oh, un datapad. Ok, ordre hiérarchique, carrément. C'est quoi ça? Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi là qui m'a... Fâche! C'est agressif! Qu'est-ce que c'est qui me... Javelon. Voyons voir. Forme de vie alien. Autre maladie de 600. Il est probable que la proie soit paralysée. D'accord, ok. Conseil à éviter. Ah oui, carrément. C'est cherche pas, Marc. Eh ben voilà, je crois que je vais mourir. Non, c'est bon. Oh la pute, elle m'attendait à l'entrée, quoi. Donc, comment je rentre, moi? J'ai besoin de rentrer là-dedans. Ah bah. Attendez, déjà, il y a plein de trucs autour. C'est quoi, chambre d'immersion? Ah bah, de toute façon, tout était là, j'ai l'impression, en fait. Je scanne. Et genre en utilisant le... Pas déconstruire un truc. Parce que ça c'est violent. Ça m'emmerde cette histoire. J'aimerais bien rentrer dedans. Check it down, Marcus, check it down.
Même si tu passes à gauche. Non, je peux les esquiver donc. Chambre d'immersion. Bureau. Ça c'est quoi? Appareil de filtration d'eau. Putain, ça je le cherche depuis longtemps aussi. Ouh. On va plus avoir besoin de chercher de l'eau, chers amis. Ça c'est la fête. Mais pareil que ça consomme énormément. Ouhou. Oh merde. Je perds du temps. Pardon. Oh merde. Pas ici. Allez. Il était où? Ah bah, cool. J'ai plus qu'à espérer avoir suffisamment d'oxygène pour aller chercher le truc là-bas. Allez, c'est parti. C'était pas là. GG. Bon, on va se mettre déjà au bord. Hein. J'ai tellement l'impression que c'était là, moi. Je suis dans la merde. C'était pas là qu'il fallait que je crève. Mais je comprends pas où est mon Simos, je le vois pas. C'est ça qui m'inquiète en fait. Bah aussi le fait que je trouve pas le bord. Attendez, c'est quoi ce bordel? Mon Simos, il est où là? Allez, tourne. Je suis à la recherche de mon Simos. Normalement, il est juste en dessous du trou. Allez, tourne. Oh, il est là, voilà. Il est juste à côté. Putain, il y a les gros machins à côté en plus, là. Ok, j'ai intérêt. J'ai 300 mètres à parcourir. Et j'ai intérêt à aller vite. Putain, c'est pas ça? Mais merde! Ok. J'ai vu des choses que j'aurais pas dû voir, je pense. Ça pue cette histoire. J'ai repaumé l'entrée. C'est la fête. C'est là. Cala Sierra! Cala Vino, quella machin! Comment c'est bien? Car la guerre de la vie et la mort à bien. Je crois que c'est bien ça les paroles en plus. Oh, je suis trop fort. Il est à 350 mètres. Il faut que je lâche 350 mètres en moins de 105 secondes. Et c'est déjà mal parti. Et j'ai que 31% de batterie. C'est pas grave. Donc je suis pas au niveau de l'entrée finalement. Putain. Il doit y avoir une autre entrée juste au-dessus de ma gueule en fait. Il y a une sale bête dans mon cul aussi, tiens au passage. J'ai moins d'une minute. Tiens, ils sont pas vides. Hein. Du coup, est-ce que j'ai les blueprints? Oui, j'ai la barre du réacteur aussi. Que j'ai dû débloquer en faisant ça. Ah, d'accord, ok. Lingot de titane. Le fameux plomb. Appareil de filtre. Seulement deux dos! Bah voilà. Ah, par contre, là, c'est moins drôle. D'accord. Ouais, mais c'est ça, oui, c'est ça. Tu continues à me faire croire que va m'arriver des conneries. Chambre d'immersion. Tout ça, je l'ai déjà, là. Chambre d'immersion. J'ai déjà fouillé. En fait, j'ai fouillé. Tu es en train de me dire que je suis revenu alors que j'avais fouillé tout l'endroit. En fait, je suis revenu juste pour le Simos, en fait. Littéralement. Ok. Et les datapads, peut-être aussi, que j'ai peut-être oublié.
J'ai sans doute oublié moult datapads, mais j'ai pas forcément envie de rester ici, tout compte fait. En fait, ça a l'air bouché ici. Non? Non. Putain, moi je cherche un trou rond, regardez c'est quoi le trou? Oh. J'ai pas reconnu ce bruit là. Aïe. C'est une simple faille ici en fait. Oh, putain, mais je l'aurais jamais trouvé quoi. Je cherchais un trou rond parfaitement circulaire dans le sol moi. Là c'est pas moi qui fais l'espèce de pivotage. Étrange. Ok, cool. Cependant, j'ai pas véritablement trouvé tout ce qui m'intéresse dans cette zone, je pense. Et de toute façon, je suis pas parti avec suffisamment de... Je vais ressortir par là, c'est plus simple. Suffisamment de ressources pour le visiter correctement. Ce qui est dommage aussi que je crève à chaque fois que je sors, quoi. C'est, ça, c'est un peu naze. Oh là, tu es un petit peu trop profond pour toi, à mon avis, là, mon pote. Après, ce n'est que mon avis, hein. Ok. Bon, ça c'est fait. C'est assez génial. On a trouvé plus ou moins ce qui nous intéressait. Et c'est bon. Dégage. Fou. Donc on a le moon pool. On peut donc retourner à la base pour la construire. Simos. Même pas, c'est Seaglide ça. Ok, bon. Il y a du mieux, il y a de l'amélioration. D'ailleurs, au passage. Au passage. Non. C'est ce que je voulais voir, excusez-moi. Je voulais simplement voir en fait si je devais pas trouver justement tout ce qui est oxyde d'aluminium, la machin là, dans cette zone. Je voulais, parce que je voulais pas... J'aimerais ne pas avoir à y retourner, même si je pense que... C'est pas là, je cherche pas au bon endroit. Crac. Voilà, bon, ça c'est fait. Ça c'est fait, Marcus. Donc ici tu as de la bouffe. Est-ce que tu peux y rajouter... Il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce que je fais ici. Putain, je peux pas avoir d'appareil de filtration d'eau ici. Ok, ça met dans l'ambiance. Donc. Non, faut arrêter de faire toc-toc, hein, les mecs. Hein. Ça, moi, je supporte pas les toc-toc. Ok, c'est bon. Bon, on a trouvé ce qui nous intéressait. Nous sommes à 33 minutes, c'est ça? En fait, je peux pas voir le chiffre, puisqu'en fait, le jeu reste dans la barre et me dit oh, « Retourne dans le jeu, t'es plus dans la bonne page !» Du coup, la base. C'est pas la bonne base. Ça veut dire que je ne suis pas forcément dans la bonne direction. Non, rien de rien. Le trou qui fait pchit. Ok. Peut-être qu'il faut que je mette une entrée ici, hein, une balise. Non, on va la retrouver. De toute façon, au pire, je la retrouverai. Ok, bon. Bon. Il faut qu'on progresse. Maintenant, il y a peut-être le prawn aussi à faire. Le prawn, je sais pas comment vous voulez le dire. Il y a plein de choses maintenant qu'on a le moon pool. On va pouvoir construire le moon pool. La baie de modification des véhicules aussi. Qui va nous permettre d'améliorer aussi, encore une fois, nos véhicules et de les modifier, si j'ai bien compris. Hein, je pense. Hein, il y a un intérêt sans doute à l'avoir. Parce que, de toute façon, c'est une modification d'une pièce qu'on a déjà modifiée. Vous voyez ce que, voilà ce que je veux dire. C'est une pièce spécialisée dans les véhicules, le moon pool, la chambre d'immersion. Qui, en plus de ça, peut être modifiée avec un autre mode. Donc, je pense qu'il doit y avoir quelque chose d'intéressant derrière tout ça. Clairement, hein, le jeu, souvent, quand il y a une évolution comme ça du gameplay, si je puis dire, ça implique forcément quelque chose de particulier derrière. Donc, la base près de l'abysse. On y va. Et on verra bien. Oui, j'ai une grosse envie de pisser. Vivement que cet épisode se termine, chers amis. Ok, bon. Ah oui, ça y est, je commence déjà à voir à travers les murs de ma base. Il est possible
que nous soyons à l'heure actuelle complètement contentés, c'est-à-dire qu'on a tout ce qu'il faut, en termes de nourriture et de nutrition en règle générale. En tout cas pour ce qui est de la base. Je ne peux pas créer d'eau apparemment à partir du submersible. Ce qui, en un sens, me dérange pas des masses. Même si je connais le principe de submersion, chers amis, hein, le remplissage et le fait que le submersible se remplisse et se vide d'eau pour couler. Hein. Vous inquiétez pas, je suis au courant du principe. Hein. Même si je suis au courant, je comprends que je ne vais pas non plus mettre un truc pour qui créerait de l'eau supplémentaire. Ah bah je me suis garé, mais alors propre. Hein. Donc, normalement. J'avais prévu, chers amis, dans cette pièce, de mettre ceci. Crac. Mais vous allez voir que ça pompe énormément. Ah bon? Ah bah finalement, non. Je pensais que ça pompait beaucoup plus. Intéressant. Enfin bon, ça pompe quand même. Vous voyez, j'ai de l'énergie qui descend, littéralement. Donc, c'est pas bon signe. Il faudra donc 4 lubifiants et 4 de titane. C'est ce que nous allons chercher tout de suite. 4 lubifiants, je vais pouvoir les trouver, normalement, là où je suis, au niveau de la base. Vu que j'en ai planté. Les 4 de titane seront peut-être un peu plus compliqués. Et je les aurai sans doute dans le vaisseau. Dans le cyclope, pardon. Je dis vaisseau, mais... C'est pas véritablement le terme que je recherche. Ok. Je vais quand même bouffer un petit coup avant. Ça peut faire de mal à personne. Voilà, alors je peux en mettre une, hein, apparemment. Stabilizing. J'ai toujours envie de dire sta, moi. En fait, c'est stay. Le lubrifiant, c'est avec les... Genre là, en fait, je vais avoir genre... Un lubrifiant. Deux lubrifiants. Et là, je vais pouvoir en prendre un deuxième, normalement. Ah, je peux pas. Je ne peux pas. Et là, je peux. Donne-moi un, voilà, merci. Et là, j'ai deux lubrifiants sur moi. Le titane. Je vais aller le chercher ensuite. Électronique, barre de réacteur, uranium, plomb et titane. Oui, effectivement, c'est... Je crois pas avoir trouvé de l'uranium, en tout cas, peut-être un d'uranium de trouver, et je suis même pas sûr de l'avoir gardé. Ah, il m'en faut trois au total, d'accord, ok, je crois que c'était deux, pardon. Ok. C'est parfait, cette fois-ci on a tout notre lubrifiant. Il nous faut donc un petit peu de titane, je sais plus combien exactement. 4 de titane. On va prendre un peu plus, vous allez voir pourquoi plus tard. C'est pile à l'endroit où je voulais aller en plus, c'est génial. Je prends tout. Parce que tout simplement je vais recréer une culture juste à côté aussi de fruits lanternes pour pouvoir toujours avoir ce qu'il faut, chers amis, tout simplement. Peut-être pas une grosse culture, mais au moins une petite. Donc, nous disions. Crac. Alors, soit je construis là, soit je le construis là. Je pense que je... Comment je fais pour le... Alors, je vais m'occuper de... Voilà. Crac. Voilà. Bac de culture d'intérieur. Crac. Je vais aller réparer ça tout de suite, chers amis, ne vous inquiétez pas. Comme quoi, vous voyez, il y a toujours quelque... non. Non, non, je veux le garder, ce truc-là, sinon je suis coincé, moi. Voilà, merci. Où est-ce que ça a encore troué? Putain, mais je l'ai... Normalement c'est censé être fonctionnel, hein, ici, hein. Donc voilà, ça va me faire du sel en plus, vous voyez, donc comme quoi je vais être à fond dans le... Mais merde! Alors je reconnais que celle-là, normalement, c'est normal, plus ou moins, qu'elle soit endommagée, parce que j'ai rajouté quelque chose, donc forcément ça réduit, je pense. Voilà, trois fruits, là. Mais merde! Putain, c'est incroyable! Falloir que je mette des cloisons et tout, hein, c'est mort, hein. J'ai l'impression de faire vraiment de la merde.
Là. Ok. Actif, bon chance. Voilà, merci. Et voyez, là, je commence à égaliser plus ou moins la perte. C'est très léger maintenant la perte. Je peux en manger une normalement. Dans tout ce que j'ai pris, je peux en manger une. Crac. Là, normalement, je suis full. Et là, je peux en mettre deux. Crac, ok. Donc, j'avais un lubrifiant de trop, bizarrement. Quoi? Excellente question. Donc. Caoutchouc en silicone, titane x4, quoi. Oh là 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 là. Titane x2, lithium. Donc je vais chercher tout. J'ai plus suffisamment de titane. J'ai plus de titane du tout, en fait, précisément. Ok. Ah, puis les casse de partout, j'ai l'impression. Là, c'est la fin des haricots, hein. Ok, bon, alors là, on va aller renforcer la base, parce que là, ça va plus. Donc, les amis, moi, je vais vous laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et yop!